Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour. cette nouvelle émission de Cinéfeuze, une petite émission pour parler de Tomorrowland. Donc on n'a même pas changé de place, vous avez remarqué que c'était tourné à la poursuite de demain. Poursuite de demain. Avec l'accent du sud. Parce que poursuite de demain. Alors, toujours pas de Philippe qui est toujours dans bloqué la dans la tempête de Man. En fait, là, il est dans le monde de demain, là, ouais, il est bloqué. C'est ça. Non, il est dans la place. Il a fait. En fait, il s'éteint en blanc, et tout. Il fait soit mort et boire. Il m'appelle comme ça tous les jours. Soyez témoin. Médiocre. Je sais, mais non, mais il était malade tout ça. Bon, voilà. Donc, on n'a pas de nouvelles. Si vous avez des nouvelles, si vous l'avez vu noirs, courir quelque part. En gros, on va parler de Tomorrowland. On voulait un petit peu en parler. Même si, alors là, le film ne doit plus être en salle. le temps que le truc soit diffusé. Mais on voulait l'évoquer quand même un petit peu, donc on a dit on va quand même faire une petite émission parce que le film est sorti vraiment au moment de Cannes, juste après Mad Max, la semaine d'après, que Disney en avait un peu rien à foutre de ce film, je pense. Pour du 20 mai, je crois. Donc c'est un peu, voilà, c'était juste pour en réévoquer parce que c'est intéressant de reparler de ce film pour les gens qui n'auraient pas pu le voir, que vous avez l'occasion de le voir en DVD ou essayer de trouver une salle autour de vous qui. Diffuse, passe encore le film. Donc Tomorrowland, c'est un film de Brad Bird. Brad Bird, le réalisateur de Ratatouille, Les Derniers Soupçons, Géant de Fer et Mission Impossible 4 aussi. Ghost Protocol. Donc voilà, Ghost Protocol. On voulait en reparler parce que le film est vachement bien. C'est un film très intéressant. Pas du tout dans l'optique Mad Max ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un film beaucoup plus posé et explicatif, j'ai l'impression, que le film. Mais ça reste un film assez étonnant et qui tranche pas mal dans le cinéma populaire, le divertissement, et surtout le cinéma pour les enfants ou le cinéma, on va dire, pour toute la famille. Le film familial. Donc, Tomorrowland, voilà, c'est un film, pour les gens qui n'ont pas du tout entendu parler, c'est un film de science-fiction qui est adapté. Alors, c'est pas vraiment une attraction, mais c'est. Qui part d'un concept d'attraction. Ouais, disons que c'est un coin de Disney, déjà, à la base. C'est un coin de Disney. Donc, ça part de ce postulat-là, donc ça reprend une sorte d'adaptation des attractions, c'est là où il y a Space Mountain, etc. Mais ça fait autre chose. C'est une attraction dans le coin futuriste. Oui, c'est ça. Mais ça revient un peu sur la vision que pouvait avoir Walt Disney à l'époque, et donc au niveau de la construction de Disneyland, de l'Empire à Disney. Du futur et de ce qu'était l'innovation, etc. Tout à fait. Donc c'est un film du coup totalement rétro et totalement en opposition avec ce qu'est Disney maintenant, c'est-à-dire une grosse major adaptateur qui adapte des franchises. Disons que c'est une opposition entre les concepts originels de Disney à l'époque où c'était à un niveau humain, on va dire, à l'époque Walt Disney. Et ce qu'est Disney, la corporation, aujourd'hui, avec Marvel, Star Wars, tout ça. Donc là, on suit une jeune fille qui... Casey, qui va en fait va être appelée par... va découvrir qu'il y a un autre monde qui existe, un monde parallèle, où il y a tous les grands savants, les grands génies, etc., qui sont censés y habiter, qui s'appelle Tomorrowland. Et au début, pour ça, elle doit retrouver un ancien habitant de Tomorrowland, incarné par George Clooney, qui va... l'aider à revenir. Au début, il n'a pas envie, etc. Mais il va essayer de l'aider pour repartir à Tomorrowland. Difficile de ne pas spoiler le film parce qu'en fait, le film, à chaque. Tous les 10 minutes, ça change de rythme, enfin, ça change d'histoire. Il y a une avancée à chaque séquence, en fait. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, du coup, on ne sait même pas vraiment où s'arrêter en termes d'histoire. En tout cas, c'est un film. Évidemment, Tomorrowland ne sera pas exactement ce qu'elle souhaitait. Et en même temps, on a aussi tout un background sur l'histoire de Clooney, qui est aussi très important et qui prend très très une grande part dans le film, notamment au début. Et je pense que le prologue est magnifique. Enfin, le prologue, c'est plus une double exposition. C'est un court métrage, C'est un court métrage. C'est une double exposition, Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un film compliqué, je trouve. Je sais pas comment les enfants vont prendre le film. Tout que le film, à un moment. Il y a pas mal de meurtres, de morts un peu bizarres. Et puis une grande partie de la fin, c'est vraiment des mecs qui discutent de SF avec quand même des concepts de SF assez assez sérieux, enfin assez gonflés et qui vont assez loin mais disons que le point de vue de Brad Bird, c'est, je pense, c'est la première fois que j'ai vu un film de Brad Bird où je regarde et je me dis ok, il a envie de nous dire des trucs là. C'est Brad Bird qui nous dit voilà ma philosophie, voilà ce que je pense du cinéma maintenant, de ce qu'il faut penser. Et qu'est-ce que je regrette? Et Brad Bird est un mec vachement plus
complexe. Complexe et vachement complexe, plus dur très et dur, très cassant dur. qu'un vrai avis par rapport au monde dans lequel il vit. Très et qui n'est pas du tout un avis du genre c'était mieux avant, c'est pas ça le truc, mais c'est plus un avis sur comment se comporter face aux événements et aussi face à ce qu'on crée en ce moment. C'est quand il y a une scène dans une boutique de geek qui est jouer. Très bizarre. Voilà, donc c'est un film très bizarre. Et au-delà de ça, c'est un film qui est super bien réalisé. C'est-à-dire que le film a. Enfin bon, c'est un mec qui vient de l'animation. Si vous avez vu Mission Impossible 4, si vous avez vu d'autres films comme ça, c'est quand même un film très. Très rythmé, super inventif en termes de fight, etc. Oui, chaque image a du sens. Et c'est un film assez long, il fait plus de 2 heures. Il fait 2 heures. Ouais. Donc il a vraiment le temps de poser son livre. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, je me suis pris quand même une petite claque. Enfin, parce que bon, après Mad Max, hein, faut y aller quand même. Je veux dire, on a été très chanceux pendant ce mois de mai entre Mad Max et Tomorrowland. C'est mon grand regret, j'aurais préféré que ça soit un peu décalé. Décalé, dis, c'est con. C'est bien d'avoir plein de films pour film. Alors, clairement, j'aurais besoin de revoir le film. Parce qu'il y a un petit moment vers la fin où j'ai un petit peu décroché. Parce que j'étais fatigué quand j'ai vu le film. Moi aussi, surtout le dialogue entre Hugh Laurie et George Clooney. Voilà, j'étais un petit peu crevé. Et donc, on s'attend pas à ça. C'est-à-dire que le début du film est tellement rythmé, tellement inventif, tellement dans le. Je sais pas, dans la. C'est beau, c'est fort et tout. On est vraiment pris émotionnellement. Qu'à la fin, quand ils se posent et ils disent voilà, maintenant on va. Du coup, on est un peu. Moi, j'étais un peu déçu par la scène d'action de fin où je me disais. Fait. Ouais, c'est vraiment pas ça qui l'importe. Quoi. C'est en fait, ça. Ce qui l'importe, c'est plus de raconter quelque chose. Quoi. Non, ce qui est très beau déjà, c'est cette capacité qu'a Brad Bird à manipuler les univers rétro-futuristes. Ouais. Où finalement, tu découvres cet univers-là avec le personnage de Frank, le petit garçon au début, donc George Clooney jeune. On part d'un univers qui nous est familier, c'est-à-dire un parc d'attractions Disney. C'est-à-dire, le film assume le fait que l'une des portes vers Tomorrowland. Ça a été le parc Disney dans les années 60. Et il fallait passer par l'attraction It's a Small World avec les petites poupées pour basculer dans ce monde imaginaire. Il y a des moments dans le film où où tu avais juste envie de pleurer parce que c'est tellement beau la manière dont les choses sont posées. On a cette scène où le gamin est en train de chuter avec son jetpack dans les nuages et d'un coup, il sort du tapis de nuages et il voit la ville. Ouais. Comme ça qui apparaît et d'un coup la musique de Michael Giacchino s'envole dès que le gamin regarde et t'as des instants comme ça plus tard dans le film t'as un plan séquence de la fille donc de Casey la fille elle est excellente là, Britt Robertson elle est géniale l'actrice là qui découvre toute la ville en un plan séquence et tu te dis mais le mec il te présente un univers encore une fois. On te présente un univers où tu piches que c'est une société super avancée, que les gens ont maîtrisé la technologie à un niveau supérieur et tout ça. Et ensuite, on te l'oppose avec Clooney qui est complètement désenchanté, désabusé, qui a plus envie de rien, qui est aussi le personnage de mec qu'on voit dans les films pour enfants. Moi, des fois, il me faisait un peu penser à Robin Williams dans Jumanji, tu vois, avec ce personnage de mec qui a plus envie, qui a perdu. Alors que dans Jumanji, c'est l'inverse, il a trop vécu dans le monde imaginaire, tu vois. Ce mec qui a finalement sacrifié son enfance sur une illusion, parce qu'il était convaincu que cette petite fille dont il était amoureux n'était qu'un robot. Et il y a ce rapport justement avec la petite fille qui est génial, qui a un rapport super compliqué, qui est super tordu. Bizarre, tordu. Je veux dire, Détordu parce que t'es un adulte et que tu fais ça. T'es un adulte, voilà. Tu dis, lui, il a 50 balais. Quand t'es jeune, je pense que tu le vois de manière totalement plus pure. C'est une attention plus pure, mais c'est vrai que le film, étonnamment, aborde des thématiques et des idées qui sont vachement complexes pour un film pour le tout avenant quoi. Mais bon c'est bien d'avoir des ambitions il faudrait voir demander à des enfants qu'est-ce qu'ils en ont pensé enfin comment ils l'ont vécu le film après il y a des choses très très belles en matière d'imaginaire comme ça mais l'imaginaire encore une fois comme tu le disais par rapport à la scène finale ne prend jamais le pas sur le parcours des personnages et effectivement il y a cette scène qui est très belle enfin cette scène qui est complètement tordue où ils sont chez les vendeurs de jouets vintage de SF, on voit que là, Brad Bird, on a l'impression que toute la profession de foi du film, elle est dans cette scène, parce qu'il y a deux fois où il commence un truc sur Star Wars, et à chaque fois, il vanne Star Wars. Le thème de John Williams qui est bousillé quand le mec fait son entrée, le fait qu'ils utilisent une réplique de Han Solo dans son,
dans sa carbonite, qui la fasse chuter pour la casser. Ouais, le robot du jour à la Terre s'arrêta. Tu vois qu'il y a... C'est bizarre parce que Star Wars, enfin, ils sont Disney en plein production des Star Wars, ça devrait remettre à jour le mythe, etc. C'est pour ça qu'il y a un truc très subversif dans le film. Tu vois, par exemple, tu fais ça, tu dis, mais qu'est-ce qui. Enfin, tu dis, tiens, c'est bizarre. C'est comme si on faisait un film propagande Disney et que lui te veut saboter le truc de la. En fait, t'as l'impression de voir un film, un mec, un produit Disney qui fait un film Disney, mais d'avant. Et comment il s'oppose à ce qu'est Disney maintenant, en fait. Mais c'est ça. Et on a l'impression qu'ils lui ont laissé carte blanche parce que comme c'était un mec de Disney et que ça parlait de Disney, les mecs ils ont dit bon bah pas de menace, pas de danger quoi. Un film sur l'attraction Tomorrowland fait par Brad Bird avec George Clooney, tu signes quoi. Je veux dire il y a pas de menace. Et en fait c'est vachement plus menaçant que ça. Et la façon dont le film est traité, je sais pas. C'est peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, peut-être qu'ils se sont dit putain mais c'est invendable, je sais pas. En tout cas, ça montre la gêne un peu de Disney par rapport à ce film, quoi. Ils ne savent pas quoi en faire. Je pense qu'aussi Disney n'arrive plus aussi, enfin pas que Disney, mais il n'arrive plus à vendre des concepts originaux, des concepts. Oui, enfin je ne veux pas non plus faire du complot et tout, mais je ne suis pas sûr que Disney avait intérêt que ce film marche. Tu vois, quel est l'intérêt de Disney pour. Enfin, il faut que le film marche bien, qu'il gagne un peu d'argent, qu'il rentabilise, ok. Mais le film ne peut pas être un grand succès. Ce film ne peut pas être un grand succès à un moment donné où ils font Marvel et Star Wars. C'est un film qui dit clairement l'opposé de ce qu'ils font. C'est ça. Qu'est-ce que. Moi, je vois Disney, je dis c'est pas possible. On le sort, mais on n'en fait pas plus. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils n'ont fait aucune promotion. Le marketing n'a pas été fait. Mais aux États-Unis, le parquet, il portait sur l'originalité de Brad Bird. C'est limite s'il ne s'est pas mis les geeks ados tout de suite quand ils ont dit oui, les fans qui attaquent, etc. Enfin, c'était très bizarre. Je me suis dit, mais c'est pas un moyen de vendre le film. Le film se plante. C'est-à-dire que le film s'est opposé tout de suite au geek, quoi. On va dire, disons qu'il caresse pas le geek dans le sens du poil. Alors que Brad Bird est quand même un geek aussi. Mais il les fracasse de manière. Je pense que c'est quand même frontale, un mec qui a une bonne opinion de lui. Je pense qu'il se considère comme quelqu'un de supérieur dans sa manière de fabriquer les films. Et ça, je pense que c'est un truc qui agace. Et c'est aussi pour ça que le film est recueilli un peu froidement ou un peu avec. Un peu de l'ignorance, genre. Parfois même avec. Je sais pas, des interprétations bizarres du film où je pense qu'on y apporte un point de vue qui est pas. Qui est encore une fois trop d'actualité, pas du tout. On a dit le film qu'il était très. Très la limite. Fasciste. Pas fasciste, mais sur l'hégémonie. Enfin, sur le. Sur limite qu'on sélectionne des gens. Ouais, sur la sélection. Alors, c'est pas ça du tout. Oui, non, parce que c'est faux, parce que bon, déjà, si on parle de ce genre de truc, de sélection des gens intelligents, etc., souvent c'est d'un point de vue racial, même si t'expliques que c'est d'un point de vue très fasciste qu'on va prendre des gens, parce que c'est les plus intelligents et on va les mixer entre eux pour faire des bons trucs, ce point de vue-là. Mais ça vient pas de ça, en fait. Et le film fait justement tout pour que toutes les classes et toutes les origines soient mises à la fin. Voilà. Par contre, ça dit clairement, c'est vous. En gros, ça t'adresse aux jeunes et ça dit vous êtes supérieur aux autres, mais pas supérieur aux autres. Enfin, après, ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est sûr que c'est pas un film politiquement correct. L'élitisme qu'on présente dans le film, il est intellectuel, il n'est pas ethnique. C'est pas un film politiquement correct. Non. Parce que les films ont dit, vous êtes tous, on est tous ensemble. Vous avez tous un potentiel, vous machin. Vous pouvez tous y arriver. J'avais vu un article dans Slate qui était intéressant, qui parlait du film, où il disait qu'en fait, le point de vue de Brad Bird, qui était un point de vue qu'il avait depuis le début, était en fait que c'est des... qu'il considère que le talent est une chose qui est acquise quand même par des gens, et que c'est pas forcément que le fruit du travail. Et ça s'oppose à notre société contemporaine, qui sont des sociétés, particulièrement en France, où on déteste l'idée... de personnages élus et choisis et qui seraient tout un tueur. Alors que bon, c'est quand même pas faux de dire qu'il y a quand même Des gens qui sont triés sur le volet, qui se distinguent. Des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Qui se distinguent. Pas plus intelligents, mais qui ont plus. Sont supérieurs sur certaines matières par rapport à d'autres. Moi, il y a des trucs, je suis nul. Enfin, voilà, et parce que je suis nul, enfin, voilà, pas grave. Et j'aurais beau bosser. J'aurais beau faire 35 heures de danse classique, je serais jamais un danseur talentueux de classique. C'est clair. Voilà, c'est comme ça. Ça gêne. J'avais entendu parler, c'était Rafik Djoumi qui disait justement dans le podcast, dans le podcast Nos Ciné, quand il a été invité, il disait que, en fait, je salue les gens de Nos Ciné d'ailleurs,
Il disait qu'en fait, Brad Bird s'était inspiré d'un. Pas de l'iPhone qui La sonne, figurine d'ailleurs. qui Il s'était inspiré, en fait, d'un. Brad Bird, d'une romancière et d'une philosophe qui Ah oui. s'appelait Anne Rand, Ayn Un... Rand, qui avait fait un bouquin qui s'appelait La Révolution. Oui, la Révolution d'Atlas, je crois. En France, ça s'appelle La Grève. Le bouquin s'appelle La Grève. Qui, en fait. Cet auteur. Cet J'aime bien l'interprétation. auteur. Ils ont appelé ça la révolution d'Atlas. En France, on appelait ça la grève. La Tu grève. fais. Ouais, Ça bon. veut dire quelque chose de notre mentalité un En petit peu France, quand même. Parce... on aime bien la grève. On préfère mettre la En grève que la fait, révolution d'Atlas. elle a conçu une philosophie qui s'appelle l'objectivisme, où en Oui. fait, il n'y a pas de maître. C'est-à-dire, justement, il n'y a pas de. Ce qu'on dit dans le film, c'est qu'il n'y a pas C'est une de maître, philosophie quoi. sur la réussite Sur en fait. la réussite, et que finalement, bah. C'est la réussite personnelle La en réussite plus. personnelle, mais aussi le fait que tu peux t'isoler aussi pour créer un truc Ce qu'on dit, à c'est que côté, quoi. c'est vachement. Ça parle vachement. Bon, bah, la Silicon Valley, c'est une philosophie qui est vachement. Mais ce qu'on Mais te dit bon, dans le film, ouais. en termes de SF, surtout d'Uchronie, c'est que finalement, cette idée de créer un monde de demain a été pensée depuis bien longtemps. Ça a été pensé avec des mecs comme Gustave Eiffel, Nikola Tesla, finalement, tous les inventeurs. Tous les mecs qui ont apporté des innovations importantes. On te le dit clairement dans le film, putain, la tour Eiffel, c'est un vaisseau spatial qui est sous terre et la tour sert de. Voilà quoi. Ça, tous les gamins y ont pensé en France. Oui, mais On l'a personne ne jamais l'a fait. fait. On l'a Ouais. jamais fait. On l'a jamais fait. Même si, par contre, Brad Bird, il a un peu déconné sur cette scène, je trouve, Oui, qui on est sent. génial. Attends, c'est un peu l'imagerie carte postale avec les Oui. mecs. Je dis, là, les mecs, c'est vous nous refaites le coup du Paris façon C'est Ratatouille, quoi. toujours pareil. C'est comme à Mais chaque c'est fois ça. que les mecs ils vont à Paris, les mecs ils s'écoutent Edith Piaf. Je dis, putain, Voilà, moi je je dis n'écoute pas Edith Piaf tous les jours, les là mecs, on enfin, voit les franchement. mecs sur la tour Eiffel avec leur petit chapeau, Si leur les costume Français à ils écoutaient Edith l'ancienne. Piaf tous les jours, ça serait suicidé, Alors je sais il n'y aurait plus de pays, quoi. pas Mais si. ils ont une image de nous entre le musée et les dépressifs, quoi. Et ou les Québécois. Oui, Tout le c'est monde vrai. parle Oui, québécois. c'est tout fait Que québécois. tu Ah, sois. mais ça va, c'est bon, on a compris. Ah, c'est bon, non, c'est bon. C'est parce que je sais pas, j'ai pas pu déceler l'accent français des boys de la tour Eiffel, mais Il a l'air français. ça avait Je l'air fais gaffe, parce français. que je fais gaffe, non, parce qu'avec les Captain America et tout, ils Les m'ont Québécois de calmé. Marvel. Ouais. Oui, Bah, c'est ça. parce que sur Marvel, ils sont tous québécois. Que tu sois Ah, ouais, ils sont rien à foutre, quoi. monégasque ou Ouais. d'origine algérienne, tu Oui, parles c'est avec ça. l'accent québécois. Je me dis, il est monégasque, ouais, j'ai un mec qui fait bonjour. Non, c'est pas du tout québécois ce que je fais, mais. Il n'a pas dit un mot. Oui, c'est ça. Ou là, tu es prisonnier, on va être dessus, là. Et tu fais, ok, ça, c'est Et les monégasque. franco-algériens, tu fais. Appelle Comment Durand. dire? Comment vous dire? Je suis franco-algérien, je me prends vraiment pour un con, quoi, c'est pas possible, quoi. Bah, après, ils se disent, ouais, c'est vrai, il y a que les Français qui vont déconner, on s'en fout. Non, mais c'est vrai que c'est chelou. Mais ouais, bah, en tout cas, c'est un super film. Mais pas simple non plus. Moi aussi, il faudrait que je le revoie. Mais c'est un film, ça vaut le coup de le voir, quoi, si vous Contre, avez l'occasion de le j'ai voir. pas compris pourquoi le personnage de Hugh Laurie, alors il faut que tu me le dises, je vais passer pour un débile là, pourquoi est-ce qu'il vieillit pas? Ouais, ils ont trouvé un romain pour le faire vieillir, hein, quand j'en sais. Mais je pense, ouais. Ou alors c'est un robot. Je sais pas. Je sais pas. C'est le seul truc où je me suis dit, mais pourquoi est-ce que lui, il est Mais il a pas dû trouver un un truc pour. remède Ouais, voilà. parce que clairement, on te dit pas que c'est un monde suspendu dans le temps, parce qu'on te montre le monde en train de décrépir avec Non, la mais petite bon, fille. c'est des génies et tout, donc Tu dis, le mec, il tu a trouvé peux. les moyens de. C'est pas important, mais tu Non. dis, ah, là, je me dis, mais pourquoi Docteur House, il est toujours. C'est le docteur aussi, c'est Il bien pour ça. Il a a trouvé une toujours 50 solution. balais au lieu d'avoir, je sais pas, 150 C'est ans. vrai, c'est vrai, c'est vrai Alors que. que la petite fille, on te dit clairement que la petite C'est fille, un elle est robot. un peu déglinguée, quoi. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Mais bonne question. Non, mais enfin, en tout cas, c'est un film, si vous avez l'occasion de le voir, Mais il y a aussi non, c'est une bien. dynamique très dessin animé. Hein. Tu vois l'attaque de la maison de Ah Georges oui. Clooney, on est clairement dans des gags C'est du de dessin animé cartoon, en quoi. live. C'est du dessin animé, c'est-à-dire qu'il y a une rythmique de. Il y a un rythme, le Voilà, rythme Brad c'est. Bird, quoi, Ouais, c'est c'est-à-dire le ça. rythme impeccable, l'humour aussi très Ouais, c'est une particulier, qui est ingéniosité vraiment. qui est assez excellente. Non, c'est vraiment un film super intéressant. Si vous avez l'occasion de le voir, bah allez-y. C'est un film, un gros budget qui ne se voit pas forcément, je trouve, à l'écran non plus tout le temps. Bah non, il a coûté 190 millions et c'est clair qu'il y a deux, trois effets où j'ai trouvé un peu, séquence avec les jetpacks, des fois que je trouve un petit peu Ouais, moi, c'est. Ouais, vite moi, fait, quoi, mais c'est des fois. très bizarre. Mais tu dis, c'est peut-être pas dans l'exécution des effets en eux-mêmes, mais aussi dans la mise en place, parce que Peut-être, le peut-être. plan séquence Le de 5 conséquent, c'est ouf minutes, aussi, ouais. où tu vois Sinon, tous c'est les ouf. détails de la ville et tout ça, il faut quand même le Ouais, faire, faut hein, quand même le ça a faire. dû demander des heures et des heures de fabrication, de Ouais, je pense calcul. qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont été coupées, à mon avis. Voilà, c'est possible aussi, mais je pense que, enfin, il crée des effets, quoi. Il crée des idées. Je veux dire, la séquence où la gamine, elle touche le pins et qu'elle reste dans l'habitacle de la Ouais. voiture, mais qu'elle. Tu la vois Ouais, juste ça elle. c'est. En Tu vois, t'as termes des. de création, faut le structurer ça quand Tu vois, même. les plans où elle touche, genre pendant une microseconde,
seconde, le pin, c'est elle est projetée pendant une microseconde dans les dans le Tomorrowland. Il faut le faire quand même. Non, c'est un film qui est super intéressant. Il y a plein d'idées visuelles, etc., qui sont qui marquent, quoi. Bah, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Essayez, si vous l'avez pas vu, essayez de le voir. Enfin, là, on a un peu spoilé le film, mais j'ai quand même de le voir. Si le film n'est plus à l'affiche d'ici la sortie de cette émission, donnez-lui une chance en DVD ou en Blu-ray, parce que franchement, c'est un de ces films. Je ne sais pas si on peut dire déjà à l'avance que c'est ça fait partie de ces films qui vont devenir cultes avec le temps. On ne sait pas, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile parce que. Clairement, c'est pas l'époque. Et le film ne coule pas de source pour tout le monde, en fait. Tu vois, il y a des œuvres où tout le monde dit putain, c'est génial, machin, genre Pacific Rim, tout le monde dit machin. Mais ça, Tomorrowland, c'est très compliqué en termes de concept. Et j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, avec Damon Lindelof au scénar, je me suis dit, ça va être un truc. J'ai pas vu Combat contre Alien encore, donc je vais éviter d'ailleurs. C'est pas bien. C'est pas bien. Damon Lindelof, c'est toujours particulier, mais je pense qu'avec Brad Bird qui était là à dire non, il faut. Je pense qu'il a un mec derrière, genre Abrams ou. Enfin Abrams. Oui. Ou lui. Ça, il gère bien, mais quand il a par exemple Ridley Scott, gère pas très bien. C'est ça. C'est un peu ça, mais bon. Mais je pense que ça va être. Quand on va voir le nouveau Star Wars en décembre. Mis en lumière avec ce film-là sur les questions qui se posent par rapport à notre relation avec je pense que Star Wars, même si c'est une grosse merde, personne ne dirait que c'est une grosse merde. Non, c'est sûr. Ça va redéfinir des choses par rapport au fait que beaucoup de gens ne font qu'un cinéma nostalgique. Et là, le fait que Brad Bird dise « Ok, la nostalgie, c'est cool, mais il faut aussi la détruire pour se renouveler ». Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de... Moi, je me rappelle des gens qui ont vu Star Wars 3-4 fois et qui après, ils t'ont dit « En fait, c'était pourri, quoi ». Mais ils ont mis du temps à. Tu vois. Il y a l'effet du moment, quoi. Ouais, voilà, il y a la liesse du moment qui fait que t'es dans le truc et tout. Tu peux pas sortir et dire j'aime pas, quoi. Et qu'ensuite tu dis. Après, t'analyses un an après, tu dis en fait, c'était pas si bien que ça. Enfin, on verra, je trouve ça un chef-d'œuvre. Ouais. J'en sais rien. Oui, mais il y a quand même une base acquise qui fait que. Une base acquise qui fait que, quand même, tu peux toujours te poser. Et que la valeur du film va être plus une valeur. Pécuniaire qu'une valeur de cinéma en termes d'apport, tu vois. Alors que Tomorrowland, qui est un film quand même très compliqué à aborder, c'est un film qui pose quand même des questions sur l'état des lieux de notre relation à l'imaginaire, de ce que les prochaines générations de cinéastes vont faire avec l'imaginaire. Je veux dire, un mec comme Colin Trevorrow qui te fait un film à petit budget et que d'ensuite il jump sur une franchise Jurassic Park et qui apparemment on l'a pas vu encore au moment où on tourne, qui est un film qui joue à fond la carte de la nostalgie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand t'es cinéaste, quand t'essaies de te lancer sur des grosses franchises? Est-ce que tu peux toi-même créer un imaginaire ou est-ce que t'es obligé de t'appuyer sur la nostalgie, sur des franchises préétablies, sur des choses obligé de t'établir, enfin c'est comme ça, voilà. On regarde pas à Hollywood maintenant, voilà, alors que Mad Max, qui est une franchise préétablie, n'est pas un film nostalgique. Non, mais c'est une exception. Qui est un film quand même progressiste à tous les niveaux. Oui, mais c'est une exception. Et c'est une exception. Enfin, je veux dire, faut être George Miller pour pouvoir faire ça. Et c'est ça. Je peux pas être le mec qui a fait Jurassic Park. Genre, il dit, les mecs, je vais faire un truc totalement différent. Non, tu peux pas, quoi. C'est ça le problème. Bon, encore du débat, un petit peu de philosophie. En fait, on va appeler ça philosophe maintenant. Ça va être intéressant. Surtout qu'on va parler des Washos, je crois, bientôt. Donc on... Les Washos. Washos. Ils s'appellent Washos. C'est des potes. En fait. Ouais, c'est des potes. Les Wachowski. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous sur le forum pour parler de Tomorrowland, pour parler de plein de choses. Qu'est-ce que vous aimez pas dans Cinéfuzz. On se retrouve bientôt avec Philippe quand on l'aura retrouvé. Voilà, on vous dit à bientôt. Et voilà, passez une bonne journée. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Soyez forts. Ciao.